Ok, allez. Oh la mer! L'océan. Oh, je pense qu'il va falloir pousser ce truc et faire un voyage en... Ouais, c'est sûr. Faire un voyage sur une porte. Oh, ça me plaît. Il y a un requin là, non? C'est pas un aileron de requin, ça? Posez, pépouze, détente. Moi, ça me plaît bien ce petit voyage là. Attendez, il faut diriger le truc ou pas? Non, je peux pas le toucher, de toute façon. Il y a un bruit dans l'eau derrière nous. Je sais pas ce que c'est, mais il nous veut du mal, je pense. Et c'est plutôt détente là. Normalement, il se passe ça, tu vois, t'as peur et tout, mais là, c'est plutôt détente. Je pense qu'on va rush une nouvelle île. On devrait rush une nouvelle île, sûrement. Il y a des chances. Ok, il y a une espèce de bouée de marquage là. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc là. Une bouée de marquage, on va dire. En tout cas, c'est beau, l'ambiance est cool, hein. L'ambiance est vachement cool, le jeu est un petit peu creepy, etc. Mais c'est tout ce qu'on aime, ça. Il y a une télé qui flotte. Et là, la musique, c'est une musique un peu découverte horrifique. Ouais, il y a des télés qui flottent. C'est sympa. Ouais, le jeu est très très sympa, hein. J'aime bien. Musique, les paysages. Les devs ont... Bon, l'eau aurait pu être... Non, en vrai, j'allais dire, l'eau aurait pu être plus belle, mais c'est moi qui mets les graphismes en bas pour pas bugger. Ok, là, on va... Je pense que, vu la musique, on va découvrir une grosse dinguerie, genre. Genre, par exemple, je pense que là, c'était ce qu'on a découvert, là. Le mec avec qui taille ses pots de castor, là. C'était un tout petit truc comparé à ce qu'on va découvrir maintenant. Voilà, là c'est angle de caméra large. On va découvrir un truc giga fat. Une grosse île où il y a genre un mec hyper vénère. Ah, c'est une ville. J'avoue que là pour le coup c'est un peu flippant quand même. Ça me fait plus peur que juste échapper au mec d'avant là. J'avoue. Ok, là il se lève. Ah, les immeubles qui bougent et tout, hein, ils bougent, à tout moment ils s'écroulent. Hein. À tout moment ils s'écroulent. Est-ce que le son du jeu est trop fort? Je pense que c'est... En fait j'ai mis au minimum le son du jeu, mais j'ai pas touché dans le mixeur audio, donc je pense que ça devrait aller. Au niveau son du jeu. Je pense que ça va. Ok, on arrive à bon port. Let's go. Viens, on trace, non? Moi, j'ai pas trop envie de rester là. Attends, viens, voilà. Il faut te speeder un petit peu, tu vois. Toi, t'es un peu trop, tu vois, chill. Oh, il y a un petit mec, là. Attends, chill. Je vais aller le voir. C'est qui, ce mec? Ah, il me fait mal à la tête. Pourquoi pas? Ok, on a de nouvelles choses. Oh, putain. Vieux corbeau. Bon, je pense que là, pas 36 solutions. On passe par là. Voilà. Et là, je pense qu'il va falloir peut-être jouer avec les cartons. Est-ce que là, on peut monter d'un coup d'un seul? Oui, on peut monter d'un coup d'un seul. Tu veux pas venir? Pourquoi tu veux pas venir? Et pourquoi il veut pas venir? Ah, si, c'est bon, il vient. Ok, c'est une sorte de bar, une sorte de pub. Et c'est un truc qui a été déserté par les gens. C'est bizarre. Ok, bon, bah là, on passe par là. Là, ça sent le piège par ici. Ça sent le trap par ici. Là, il faut rush la fenêtre. Donc, on peut y arriver tout seul. Il faut qu'il nous aide. Parfait. Ok. Allez. Ok, on va prendre un max d'élan dans ce cas-là. Allez, un peu plus. Ah, ok. En fait, faut pousser la télé. Il fallait pas aller dessus. Je pensais qu'il fallait sauter sur la télé pour faire je sais pas quoi. Ok, dans ce cas-là, moi j'arrive là. Je fais ça. Ah, mais je veux plus d'élan en fait. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Là je pense qu'on jump. Ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'arrive. Là je pense qu'il faut que je pousse ça. Ça me semble. Non, tombe pas, s'il te plaît. Ok, je pousse ça. Oh, j'ai cru que j'allais le tuer. J'ai cru que j'allais le tuer, putain. J'ai cru que j'allais lui pousser la télé dessus.
Ok, donc en gros lui il est au-dessus. Et là. Ok, toi t'arrives là, d'accord. Ah, tu veux que je te réceptionne de l'autre côté. Vas-y, on fait ça. Ok. Ah, c'est moi qui dois sauter. Oh, il fait un giga jump quand même, hein. Il est chaud. S'il est pas dans notre camp, à un moment ou un autre, il nous réceptionne pas et il nous fume. Hein. Bon, allez. On n'a pas de temps à traîner ici, là. Ok, donc là, on va là. Ah non, c'est là qu'il faut passer vu que lui arrive de là. Ok. Jump. Tout va bien. Jusque-là, rien de compliqué. Il y a un mec, il y a encore un mec là qui est en train de tisser des laines ou je sais pas quoi, non? Ah non, c'est une télé, d'accord. Aïe. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Il faut avancer, peut-être sinon ça nous tue. Il faut peut-être que j'éteigne la télé. C'est pas un bouton là? Ah, je peux pas sauter parce que je suis en état de. Ah, ok. J'utilise ZQSD pour régler la transmission. Mais attendez, quoi? Ça a rien fait là? Ah, là, ça a changé de tunnel, non? On est d'accord? Oh là là, mais c'est sérieux. Il fallait juste faire Q pour le premier tunnel et D pour le deuxième tunnel. Là, je pensais que c'était un truc compliqué, moi. Je me complique la vie à chaque fois. Bon, on va tracer vers la porte, hein. Let's go! Jump, jump! Aïe, aïe, aïe. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette télé? J'en sais rien. I don't know. C'était vraiment tout con, hein. Est-ce qu'on tombe dans le truc? Tu veux sauter ou pas? Ou on saute par là? Non, on saute pas par là. J'ai pas compris non plus, hein. Est-ce qu'on passe au-dessus de la grille là? On peut passer là. Ah non, faut peut-être pousser la poubelle et il y a un trou dans le grillage derrière là. C'est pas ça? Ou alors tu m'aides à monter. Là, tu veux pas m'aider à monter? Ah, faut pousser comme ça? Ah, ok, sur la gauche. Mais c'est pas logique. Pourquoi on pousse dans ce sens-là? Alors qu'on pouvait pousser dans l'autre sens. Bon, vas-y, viens. Faut qu'on passe par le grillage maintenant. Mais... Ok, il y a un grand bâtiment. Là, il y a une espèce de balançoire là. Il va falloir qu'il y en ait un qui se mette sur le truc et que l'autre il saute comme ça le propulse sur le bâtiment, je parie. Alors. Est-ce que je peux aller là-dessus? Ah là, ok, par ce truc. Non, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Bon, let's go. Sinon, mon vieux. Ce bâtiment est un petit peu flippant, hein, je le concède. Hein. Je dis pas le contraire. Allez, on rentre. Merci. Il fait peur un petit peu le petit tableau de poupée sur la gauche. Et là, il y a un truc, il y a la fumée, hein. C'est-à-dire que c'est encore habité ici. Est-ce qu'on y va YOLO en mode on active direct le truc? Les tableaux sont creepy, hein. Les tableaux sont creepy. Avant d'activer le levier, on va quand même. Voir de quoi il retourne un petit peu partout. À gauche, il y a quoi là? Les portes, normalement, on peut pas les. Les portes, normalement, on peut pas les gérer, hein. Enfin, les portes fermées, j'entends. On peut pas les. Donc, il y a plein d'objets ici, donc potentiellement, on va devoir choper les objets pour faire des trucs. Peut-être qu'on peut pas l'activer comme ça direct. Ah, si. Ça éteint la lumière, quoi? Mais c'est un truc avec la chambre, donc là ça fait quoi? Ça éteint la lumière? Ah d'accord, il y a un mécanisme avec les têtes de bébé. Attends, ok, il y a un mécanisme comme ça. Ah, je sais! Il faut mettre la poupée dans la lumière peut-être. Je vais le mettre un peu plus par là. Bah, je sais pas, c'est compliqué l'histoire. Deux objets identiques.
Ouais, je pense, mais le bébé, parce que par exemple, il y a deux bébés, mais quand je le mets, il tombe comme ça. Putain, c'est chiant ça. Il le lâche hyper mal, quoi. Au pire, il y a deux fois le cube. Pire, on slash le bébé comme ça. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Putain, j'ai pas fait exprès. Bon bah, coup de chance comme d'hab, hein. Les jeux d'énigmes, j'ai réussi sur des coups de chance. Comme d'hab. Il faut pas sauter genre comme ça là. Ah ouais, bingo. Ah, et c'est moi qui t'abandonne maintenant. Non, je déconne. Ok, on avance. Il y a une canette là, on la prend pour la sécurité. Voilà. Merde, je dois m'accroupir. C'est comme We Were Here Together là. On a gagné sur un coup de chance, hein. Un pur coup de chance. Ok, j'ai une canette. Ah, il y a une. Attends, on peut passer là? Oui, on peut passer. Je suis obligé de lâcher ma canette, putain, je suis triste. Tristesse. Il faut faire un jump là? Les choses qui paraissent difficiles sont parfois toutes bêtes. Ouais. Ah, le nombre de fois où j'ai mis 10 minutes sur un truc parce que je pensais que c'était compliqué alors que c'était un truc tout bête. Tu veux pas venir? Psst, psst. Aïe. Ah, faut descendre juste comme ça. Et là, faut tirer à la grille d'aération, c'est ça? Faut tirer ou faut pousser? Faut tirer, ok. Logique. Ok, let's go. Il y a des bruits bizarres. Hein. Je pense qu'il se trame une activité bizarre là-dedans. Il y a un monstre. Oh, c'est le retour de. C'est quoi ce truc? Cache-toi vite. Bon, en fait, pas besoin de se cacher. Ah! D'accord. On va éviter de toucher à ce truc. Est-ce que c'est le fait de marcher sur la planche ou de ramasser le ballon? Ouais, c'est le fait de marcher sur la planche. Est-ce qu'on peut passer là-dessous tranquillement ou pas? On dirait que oui. Ah ouais, mais j'ai pris un. Oh, il y a un troisième. Il y a un troisième bonhomme. Je sais pas s'il est gentil ou pas. Mais ouais, effectivement, j'ai pris un truc dans le crâne là. Ça a fait mal. Mais avance, allez. Ah merci. Il veut pas avancer. Est-ce que c'est un gentil ou c'est un méchant lui? Ça c'est la question. Est-ce que ça c'est. Il y a des bruits bizarres. Ah j'ai peur! Non c'est bon. En fait j'ai quand même peur un petit peu. Faut attendre que le truc arrête de se balancer. C'est quoi? C'est cette planche là? Ok. On voit la planche quand même. On voit laquelle c'est. Lui il marche dessus. Ah non ok, c'est un truc qui s'active une seule fois en fait. Est-ce que je peux passer? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut aller là-dedans? Tu m'aides à pousser? C'est quoi ça? Rien du tout. Oh, what? Oh, il m'a fait peur. On va speedrun un petit peu. Est-ce qu'il y a une planche piège là? Là, je crois que c'est une planche piège, ça, non? Ok, c'était une planche piège. Bon, je l'ai pris dans la tête. En fait, faut aller dessus et reculer. Voilà. Et là, faut faire comme ça. Et on rejoint notre pote. Est-ce qu'il y a des pièges encore? Ça, c'est une planche piège. Est-ce qu'il faut l'activer ou pas? Je pense qu'il faut l'activer. C'est pas une planche piège, ça? Ah oui. Oh, le piège il était derrière quoi, les traîtres. Je fais ça. Ok, il fallait juste se baisser en fait. Il va juste faire un. Du coup, en fait, tu reviens. Ok. Il commence à avoir des musiques bizarres là. Ok, là il va y avoir un piège quelque part, c'est sûr. Oh, tiens, un truc dans le casier là. Il y a une hache, je la prends direct. Oh le piège! Oh le bâtard, c'est un méchant!
Oh, les méchants! Ils ont pas de tête. Oh, les bâtards! Oh, le bâtard! Il faut qu'on aille sauver notre pote maintenant. Est-ce qu'on prend le marteau et on les dégomme tous? Oh, tiens, mange. Oh, tu vas manger ton hit, toi. Tiens! Allez, ça dégage. Ça dégage, là. J'ai une arme, les gars. Venez vous fight maintenant. T'es qui? Oh, y a un piège, là. Non? Oh, bah, il s'était pris. À ma place. C'est bien, ça. Faut, là, je garde mon marteau tout le temps. Bon, là, je crois qu'on est obligé de partir. Est-ce qu'on part sans notre pote ou pas? Peut-être qu'on la retrouve. On retrouve plus tard notre pote. Soit on peut plus faire demi-tour. Hihi, trop tard. Bon, là, faut faire gaffe au piège. Là, il faut une clé pour ici. En speedrun, comme d'hab. Il y a quelqu'un là, non? Il y a quelqu'un qui respire, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un qui respire. Il faut y aller en mode accroupi. En fait, elle se retourne une première fois, en train d'écrire, normal. Elle se retourne. Là, voilà. Ok, donc, il va se retourner là. Là, il faut y aller. Je pense qu'il faut se mettre derrière un bureau, non? Ouais, je pense qu'il faut rester derrière un bureau. Attendre qu'elle se retourne. En fait, je pouvais aller sur le deuxième bureau, mais... Ça passait aussi, quoi. Ok. Je pense qu'on... Ok, non. J'allais dire, on peut faire deux bureaux en un seul coup, mais... Oh, mais il est vénère comme prof, hein. Allez, écrit. Parfait. Bon, on va faire un arrêt au cas où, hein, pour être sûr. Bon, on tourne la page, voilà. Et là, c'est reparti pour un tour. Ok. Et là, il y a la clé. Elle écrit rien, elle écrit pas de nouveau truc, quoi. Faut se planquer là. What? Mais comment elle m'a vu? Ah ouais, mais là c'est violent, je me cache où là? Dans le truc où il y a de l'ombre, ce truc là? Ouais, j'y ai pensé, mais est-ce qu'on peut rentrer dedans? Ah oui, on peut rentrer dedans. Ouais, ouais, ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu, ok, on va faire ça. C'est sûr que c'est ça. Genre, il faut se mettre bien sur le côté, là. Attends, là. Voilà, parfait. On monte comme ça, on se décale après. Faute. Allez, vite. Ok. Saute. Ouais, ouais, c'est... j'ai sauté. Je crois pas trop que ça ait marché. Ok, est-ce qu'elle va choper la... Oh, elle va pas regarder dans le truc quand même, là. Non, c'est bon. Ok, elle ramasse pas la clé, donc on est tranquille. Par contre, elle ferme la porte. Et c'est là que la grille d'aération entre en jeu. Ok. Deuxième édition. On repasse la salle de classe. Ok. Ok, il ouvre la porte, mais il n'y va pas maintenant. Je pense que c'est scripté... Et que tu dois courir. Peut-être. Mais c'est ce que j'ai fait pourtant. J'ai couru. Peut-être que j'ai pas couru assez vite. Peut-être que j'ai pas couru assez vite tout de suite. Donc là, on va aller là direct. Ok. Là, on est là, tranquille. Le problème, c'est que je gère pas la caméra. Mais comme je peux pas gérer la caméra, je peux pas voir. Tu t'es arrêté un moment. Ouais, je me suis arrêté un moment, mais. Ouais, peut-être que c'est scripté, je sais pas. Au pire, on va retenter en mode discret. Et si en mode discret ça passe pas, ben je vais courir. Donc là, elle va faire le bureau devant, logiquement. Là, on pourra y aller. Non, c'est le moment où elle se met de dos. C'est un peu bizarre, ça, d'ailleurs. Vite, vite, vite. Ok. Puis on verra bien si c'est scripté et que je dois m'arrêter ou pas. Est-ce qu'elle fait refaire un bait?
Non, elle aura fait pas de bait. Là, on va là. Et là, en gros, faudrait être sûr qu'elle observe le bureau qui est juste à ma droite, là. En étant sûr qu'elle observe dans le sens inverse à moi. On va essayer discret, et si jamais ça marche pas discret, bah... Là, elle observe lui, donc c'est sûr qu'on peut pas. Ouais, je pense pas qu'on puisse, là. Faudrait qu'elle observe celui qui est devant, là. Et comme ça, on pourrait être quasi safe d'y aller. Oh non, elle revient là. Je pense que là, elle fait un pattern. Ouais, je sais pas à quel moment précis je dois y aller. Donc là, c'est sûr que non. Ouais, elle fait le même pattern, hein, ça se voit, elle a le même mouvement de tête et tout. C'est exactement le même pattern à chaque fois. Peut-être que là, dès qu'elle se retourne, tu vois. Ok, on va essayer dès qu'elle se retourne. Ok, il fallait juste courir en fait. Vite, 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 vite. Allez. Ok. Ok, il fallait juste courir. Yes. Putain, je peux respirer. Oh, mon petit doigt, il va pouvoir respirer un petit peu là. Je l'ai étouffé en appuyant sur contrôle pendant très très longtemps. Oh, j'ai plus mon marteau pour le fumer, lui. On va y aller discretos, hein. J'ai pas envie de mourir là. Elle voulait lâcher son meilleur croc. Hein. Est-ce que faudrait pas que je chope la barre? Mais je pense qu'il peut pas nous le choper, il est attaché, non? Il faut que je chope la barre pour casser la porte, c'est sûr. On essaye un truc YOLO. Ok, on n'essaye pas un truc YOLO. Un truc à jeter pour la tirer. Ah, peut-être, ouais. Est-ce que dans l'autre salle, il n'y a pas un truc à choper? Une chaussure? Oh, une chaussure, parfait. Parfait, ça. Donc on va la tirer à l'inverse de la barre, là. Et ensuite, on chope la barre et on le... Je sais même pas si on a besoin de le fumer ou pas. Si on peut le fumer, c'est mieux, hein. 1000 IQ, ouais. 2000 IQ, je dirais. 2000 IQ. On va la tirer par là-bas. Oh le bâtard! Vite, 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 vite! Attends, j'ai envie de te chelasser un peu un coup. Allez, ça dégage un peu là. 1000 IQ, je confirme. Hein. 1000 IQ, je confirme, sévère. Ok. On chelasse tout ça. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Il faut passer dans le truc. Bon, ok, très. Non, non, c'est je veux monter juste. Ok. Monte mon grand. Allez. Ok. Allez, accroche-toi, merci. Ok. Putain. Je pense que c'est scripté, on a oublié de casser la bouteille. Hein. Je vais prendre cette bouteille pour lui jeter dans la bouche. Bon, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, on est obligé de trigger le truc, je pense. Hein. Ouais, non, en fait, faut courir. Ah non, faut se cacher dans la petite boîte, là, je crois. Je pense, hein. La même mécanique que tout à l'heure. Peut-être que ça passe pas deux fois, hein, mais je sais pas. Ouais, je suis pas sûr que ça passe deux fois. Hein. Ah, si, ça passe deux fois. Ok. Faut faire gaffe, quand même, hein. En fait, il y a des pots en verre et... Faut faire gaffe à pas les faire tomber, quoi. Je vais y aller doucement parce que l'autre fois j'ai couru. Je pense que là il faut choper le pot. Alors attends, il y a deux solutions. Ouais, il y a un autre truc, ouais je vois. En fait, soit je dois choper le pot pour pas le casser, soit je suis obligé de le casser et je vais me cacher dans la petite boîte. Je vais voir si je peux le choper ou pas. Ah, je suis obligé, non, je suis obligé de le faire tomber. Ok, je me cache là. Ouais, ouais, ok, c'est ce que j'ai fait. Normalement ça passe là. C'est bizarre qu'elle se doute pas hein, que je sois dans la boîte. Hein. Bon bref. Du coup là j'ai pas envie de me foirer. Hein. Allez monte. Ok, je crois que c'était un truc où il fallait se balancer et potentiellement je suis tombé quoi. Ok, là j'ai pas envie de tomber. Hein. Crois-moi que j'ai pas envie de tomber. Est-ce que je peux aller...
Je peux me cacher dans la boîte là. C'est-à-dire que potentiellement au moment il faut se cacher. Vas-y, c'est juste une petite souris qui se balade. Ouais, après c'est bizarre, hein, une souris qui fait tomber un énorme pot comme ça. C'est bizarre. Bon. Oh, c'est le petit. Il faut faire tomber la planche. Ah, je sais. Il faut faire tomber la planche. Et comme ça va faire du bruit, elle va monter sa tête jusqu'ici. Il faudra se cacher dans la truc. Ok, préparons-nous à courir. Vite, 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 vite! Ok, bingo. Y a rien, ni personne ici. Elle se dit, vas-y, bon, pas de problème. Elle se prend des bouteilles dans la tronche. No problemo. Ok, bon. C'est fine. Faut juste pas tomber comme un con maintenant. Faut qu'on aille sauver notre pote aussi, hein. Ok, là, faut pas tomber. Tout à l'heure, je courais comme un. Comme un. Comme je sais pas quoi là. Je suis tombé comme un gland. Ouf. Ça fait un peu mal, ça. Ok. Là, du coup, on peut pas y aller. C'est habituel. Ouais, l'habitude dans l'impression. Elle est là encore? Oh, putain, c'est la vieille. Ok, maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on monte ici? Je pense qu'on peut pas monter ici, donc on est obligé de descendre. Là, cette échelle a des roulettes. Il va y avoir une mécanique avec ça. Est-ce que je peux pas pousser l'échelle? Non, je peux pas pousser l'échelle. Et est-ce que je peux au moins monter l'échelle? Ah non, ok, je la déplace comme ça. Donc là, je déplace. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Là, il y a quoi? Il y a une porte. Là, il y a quoi? Il y a un fauteuil. Bon, je pense qu'il faut pas aller là. Mais monte. Ok. Donc là, on monte là. Est-ce qu'on va le... Je sais pas où me planquer, hein. Je sais pas où me planquer, je panique. Ok, j'ai cru que ça lui était tombé dessus. En fait, je crois pas que ça lui soit tombé dessus. Ça va. Bon, on peut retourner là, du coup. Est-ce qu'on tape... Est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on tombe de l'autre côté? Oh! Run, 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 run! Vite, 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 vite. Ok, ça va. C'était un peu tendu quand même, mais... Mais là, la question, c'est... Est-ce que je saute sur la pile? Je pense que si je fais ça, je tombe dans... Pff, tu sais quoi, je... Vas-y, j'essaye. Ok, non. Ok, ça va, ça passe. Tu veux pas monter? Voilà, monte. Voilà, bien. Ok. Là, tu fais quoi? Monte, monte, monte. Il arrive pas. Peut-être faire... Passer par un autre endroit, il veut pas. Ah, pas voilà, comme ça. Non, là il passe pas. Il faut passer par un autre endroit. Il faut genre passer sur la gauche, mais il veut pas. Pas sur la gauche. Ah non, là il peut pas. Voilà. Est-ce que là tu peux monter maintenant? Non, tu peux pas. Au pire, là on descend. Est-ce que je... Décale... ouais, ça... Là, je saute sur le tour. Oh, ok, accroche-toi. Je suis mort si elle me voit là. En fait, là, j'ai juste à rester là. Normalement, j'ai juste à rester là, c'est tranquille. Hein. Ok. Peut-être pas finalement. Faut que je joue avec la tour de livre. Là, je peux pas aller plus à gauche, hein, je le dis. Ok, bon. Elle est pas ouf. Sa vie, lire des bouquins et buller des enfants. Ouais. Après, elle doit kiffer ça. Hein. Il y a plein de gens qui kiffent leur métier. Elle doit kiffer son métier. C'est pas où que je dois aller maintenant. Là, je dois sauter comme ça. Ok. Normalement, elle est partie. Ok, petite pause là. Petite pause boisson parce que je veux pousser. Ça pousse, ça marche pas. Si j'ai sauté sur la poignée, ça marche pas. Est-ce que je peux pas tirer une caisse pour sauter sur la poignée? Ouh, ça c'est intéressant. Une clé à trouver. Soit une clé à trouver, soit c'est cette caisse et après je peux ouvrir la porte du coup en sautant dessus. J'ai pas pensé à la caisse plutôt. Il faut me mettre dans l'épreuve pour.
pour penser à la caisse. 9000 IQ. Bon, on est ouais, à peine du 100 IQ là. 200 IQ plutôt. Parce que 100, ça n'est pas très élevé quand même. Hein.